M. Mon petit Joe, alors, comment tu te sens? Ça va. Pas trop de trac pour demain? J'ai mis un billet sur toi, hein? Non, je t'ai déjà dit de pas toucher à ces trucs-là. Mais c'est pas tous les jours qu'on a un fiston en finale régionale. C'est vrai. Ton père serait tellement fier de toi. Il serait fier de moi si je gagne demain. Si Dieu le veut. Il n'y a rien à voir là-dedans, moi. S'il existait pas, j'aurais jamais eu ce putain d'accident. Dis pas des choses comme ça, mon fils. Bon, allez, mort, faut que je te laisse. Pourquoi? Tu sors, là? Tu vas voir Barco? Bah non, je vais juste me dégourdir les jambes. On a fait une bonne séance d'entraînement aujourd'hui, là, je suis prêt. Qui t'a pas appelé? Barco? Pourquoi il m'aura appelé? J'ai passé l'après-midi avec lui. Non, pour rien. Concentre-toi sur ton combat. Coupe ton téléphone, tu seras plus tranquille. Ok, t'inquiète pas, moi. Je t'embrasse. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je venais te voir. Ah, pas ce soir. C'est le grand jour demain. Tu vas l'éclater, allez. 1-2, allez. 1-2, 1-2, 1-2. Ouais. Ouais, c'est l'année ou jamais, hein. Je commence à fatiguer, moi. Tout le village parle que de ça, en tout cas. Paraît qu'il n'y a pas eu autant de paris depuis la victoire de ton père. J'espère que je pourrai en profiter un peu plus longtemps que lui. Tidjo, faut que tu viennes avec moi. Pas ce soir, je te dis. On aura tout le temps de fêter ça demain. Barco veut te voir. Maintenant, là? Ça peut pas attendre. J'ai quitté il y a 2 heures. Ça sera pas long. Écoute, tu sais comment il est. Allez, viens. Il est où? Pas loin. C'est à propos du combat de demain? Je sais pas. Tu sais pas? T'inquiète, il va tout t'expliquer. Tu joues à quoi, là? J'ai pas d'histoire, moi. Tu connais mon père quand il a une mise en tête. Ça? C'était pas un accident. Quoi? Ton père aurait dû perdre cette finale. Il y avait beaucoup d'argent à la clé. Tout était bouclé. Mais ton père, il était comme toi. Fier. Ton père aurait jamais accepté la défaite. Jamais. Ton combat a attiré des gros parieurs. J'étais sûr, moi, qu'il reviendrait. Cette pourriture a perdu tellement d'argent quand ton père a gagné le titre. Je m'étais juré de retrouver le commanditaire du meurtre de mon meilleur ami. Mais je crois que c'est pas à moi de le faire. Quoi?
pourquoi vous m'avez rien dit. Ta mère voulait pas que tu grandisses avec ça.